Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Rai One. Aujourd'hui, nous sommes sur la ligne Luzern, Stans, Engelberg. Ravi de te retrouver, Mathis. Ravi de te retrouver également, Étienne. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, avant de démarrer l'émission, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2022. Qu'elle soit bénéfique autant pour vous que pour Rai One. Merci beaucoup de nous être fidèles, autant à la télévision que sur YouTube. Allez, trêve de bavardage, voici le premier sommaire de l'année 2022. Nouvelle année, mais cela ne veut pas dire qu'on change tout. Loin de là, la séquence histoire continue d'ouvrir les épisodes chroniques à retrouver dans quelques instants autour du LSE. Nous poursuivrons sur l'étude du matériel roulant avec la HGE Pendel, l'occasion de découvrir leurs particularités, adhérence, crémaillère et d'apprendre la signification de nouvelles lettres comme le G. Je vous emmène ensuite en balade sur cette ligne magnifique, notamment en hiver, à retrouver en troisième partie. Et pour terminer, nous avons été accueillis dans le dépôt de Steinstadt par Stéphane, directeur de la maintenance pour la Zentralbahn. C'est déjà le 9e épisode de la saison 2 et ça démarre maintenant. Date à laquelle la ligne fut ouverte entre Steinstadt et Engelberg. C'est très tôt par rapport à la majorité des autres lignes du pays, on verra ça en fin de saison, surtout qu'elle fut électrifiée dès le départ. Mathis Kurz et Étienne Bergeon vous en disent plus. Au tout départ, la ligne reliait Steinstadt à Engelberg. Construite avec un écartement métrique qui fait partie de la catégorie des voies étroites, la grande particularité de cette ligne est qu'elle ne fonctionna jamais sans électricité. Autrement, c'était une des très rares de son époque, la fin du 19e siècle, à être d'ores et déjà électrifiée. Ce projet remonte à 1890 au niveau de la concession. Il dura 8 ans. L'inauguration eut lieu exactement le 5 octobre 1898 sous l'appellation Steinstadt-Engelbergbahn. Pas besoin de vous traduire, ça coule de source, comme on pourrait dire dans cette région. Au niveau des connaissances techniques, elles étaient déjà bien complètes pour l'époque, car à la vue d'une pente de près de 25% au niveau de la portion crémaillère entre Grafenort et Engelberg, c'est un courant alternatif triphasé qui fut choisi avec une tension précise de 800 volts 33,3 Hz. Au passage, la crémaillère était gravissable à 5 km/h, près de 1579 mètres à cette vitesse, ça devait être quelque chose. Cette ligne interpellait pour son côté isolé, aucune connexion avec un autre réseau ferré, aucune réelle correspondance avec les bateaux, et malgré tout, l'envie d'être relié à d'autres villes ou d'autres réseaux n'intervint que tard, entre guillemets. Car c'est en 1956 qu'une seconde concession passa pour prolonger le réseau de Steinstadt à Hergisville. Problème d'argent passé, nouvelle compagnie créée pour les surmonter, Elektrische Bahn Steinstadt-Engelberg, l'année 1960 marqua par la percée du tunnel du Lopper. 4 ans plus tard, important changement. La ligne à crémaillère a été entièrement reconstruite pour correspondre aux normes de la ligne du Brunig. On vous passe les détails techniques, mais retenez que le dernier train triphasé a atteint Engelberg le 27 août 1964. Dernier train triphasé car la tension passa au courant CFF de 15 000 volts 16 Hz 2 tiers. Et pourquoi cela? Car le 19 décembre 1964, on fêta l'ouverture du Luzern Stans Engelbergbahn. Vous vous souvenez de la vitesse à crémaillère des débuts de la ligne? 5 km/h. Eh bien, après la réélectrification et l'achat de nouveaux autorails, on pouvait la gravir à 14,5 km/h. Mais cette pente resta un problème au niveau du poids tirable.
J'entends par là que dans les années 1980-1990, avec l'augmentation du nombre de voyageurs, notamment en hiver, il fallait avoir des trains plus longs. La solution fut trouvée en 2001 avec la décision de construire un tunnel de Grafenhorst à Engelberg en supprimant les arrêts Obermatt et Grünewald. Après beaucoup de retard et une période de fortes inondations en 2005, le tunnel fut ouvert pour le changement d'horaire 2010, soit en décembre. La capacité des trains a pu être plus que doublée car la pente à crémaillère est passée de 250 pour 1000 à 120 pour 1000. Dans le même temps, les trajets ont été clairement raccourcis. Pour terminer, la gare d'Engelberg, où nous avons lancé l'émission, s'est refaite une beauté en 2015 avec la rénovation des systèmes de voies, de quais et d'éclairage, etc. Maintenant, elle est vraiment très sympathique. Ravi en tout cas d'avoir pu vous faire découvrir l'histoire de cette ligne si originale qui est la Luzern-Stans-Engelberg. Le matériel roulant de cette ligne est très original. Dans une composition, vous retrouvez une locomotive, des voitures anciennes, mais aussi des voitures récentes. Les HGE Pendel vous sont présentés par Tim et Mathis. Lorsque l'on parle d'HGE Pendel, on parle bien sûr du nom de la composition entière. Ce n'est pas le nom attribué à une automotrice unique, par exemple, comme les Kiss ou les Flirt que nous voyons passer régulièrement au CFF. Avant de nous intéresser à la rame complète qui comporte 8 éléments, intéressons-nous à la locomotive nommée l'HGE 44. Elle a été construite par les ateliers SLM et ABB. Actuellement, elle est en mode parc. Ce train, cette rame-là, en fait, ne roule pas aujourd'hui. Vous pouvez le voir notamment, ce mode parc, avec le fait que les pantographes, les deux pantographes au-dessus de la locomotive, sont levés en même temps. C'est une caractéristique que nous ne voyons pas, par exemple, dans les gares de Genève ou Lausanne, pour prendre les gares que tout le monde connaît, car ce sont des gares de passage. Ici, c'est une gare en butoir, Engelberg, comme vous pouvez le voir. On peut donc y stocker des rames, et notamment quand on doit changer de cabine, le mode parc doit être activé. On a vu le mode parc avec pantographe, on peut voir également ce mode grâce au phare sur la locomotive ou la rame. En l'occurrence, il n'y a qu'un seul feu blanc, contrairement à une marche normale où deux ou trois feux blancs sont allumés. Vous le savez, depuis les débuts de l'émission, nous vous expliquons la signification des lettres et nombres sur des locomotives ou des automotrices, par exemple. Pour ce qui est de cette locomotive, vous savez déjà que le H signifie véhicule pour crémaillère. On l'a vu en saison 1 avec l'épisode sur le B Villa Breteuil. Le G, lui, veut dire que c'est un véhicule pour voie étroite, pour rouler en adhérence sur voie étroite, qui est donc un écartement plus petit que celui utilisé au CFF. On sait déjà que c'est un véhicule pour voie étroite, adhérence, mais aussi crémaillère. Le petit E à côté signifie que c'est un engin électrique. Ça aurait pu être un M qui voulait dire véhicule diesel. Pour ce qui est de la fraction à côté, le premier chiffre signifie le nombre d'essieux moteurs. Le deuxième chiffre veut lui dire le nombre d'essieux total. On sait donc ici, 4 sur 4, qu'il y a 4 essieux moteurs, que tous les essieux sont moteurs. On s'intéresse deux petites secondes au système de freinage. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Pour l'HGE 4-4, je vous rappelle que ces 4 essieux sont moteurs. Les 4 essieux sont freinés avec le système de sabot, le système classique que l'on a découvert avec Pascal Juira dans l'épisode autour d'une NSTCM.
L'HGE-44 est équipé d'un attelage semi-automatique. On les avait rapidement vus dans l'épisode autour de la gare de Neuchâtel. Le principe est simple. Lorsque la locomotive doit être couplée avec l'élément en question, en l'occurrence la voiture première classe ici même, une partie de ce qui doit être transféré dans la voiture est attelé juste en approchant du coup les deux composants, en les couplant. Le reste doit être attelé manuellement, je parle notamment du câble électrique qu'on voit là-bas ou des tuyaux de frein, en tout cas le seul qui est relié ici. C'est donc un attelage semi-automatique, une partie automatique, le reste manuel. On a vu la locomotive, l'HGE-44. Pour rappel, le convoi, lui, est équipé d'une voiture panoramique de première classe. Donc, elle est sur le Luzern-Engelberg Express. Si on remonte un petit peu plus le convoi, on va tomber sur des voitures que l'on peut nommer B. Vous vous souvenez, B signifie voiture de deuxième classe. Il y en a précisément deux entre la voiture panoramique et l'autre voiture qui nous intéresse dans le convoi. Il faut savoir que le trajet de Luzern à Engelberg dure environ 40 minutes. Ce qui fait qu'il faut occuper un petit peu, hein, bien sûr, les enfants durant le trajet. Et c'est le rôle de la voiture du Globi Express. Vous voyez au niveau de sa livrée, elle est faite donc pour occuper les enfants de manière ludique avec des jeux à l'intérieur, en même temps que des places sont réservées bien sûr pour les parents. On passe la voiture du Globi Express, on arrive sur une composition bien plus moderne avec le retour d'une rame deuxième classe normale, on pourrait dire, avec des fenêtres quand même bien plus grandes pour avoir bien sûr, pour apprécier les paysages lors de la montée. Une deuxième voiture, donc concrètement après le Globi Express, deux voitures, deuxième classe uniquement, deux B. Et on arrive sur la BT, le A pour première classe, le B pour deuxième classe, mais aussi T signifiant qu'elle dispose d'une cabine de conduite. Cette composition, cette Pendel, comme on l'appelle, dispose d'une caractéristique technique intéressante. Pour le confort des voyageurs, elle est équipée de freins à disque, exactement comme sur votre voiture. Pour rappel, l'HGE-44 est-elle équipée de freins à sabots. Le confort est donc accru puisque le freinage est plus doux. Toutes les informations sur l'émission se trouvent sur notre site internet railone.ch. Découvrez les futures diffusions, l'équipe et même un calendrier ferroviaire participatif référençant tous les événements du pays en ce qui concerne les trains grandeur nature. Nous sommes à Stans. Au départ de l'émission, nous étions à Engelberg. Comment est-ce que nous sommes arrivés ici? Nous avons notamment traversé un tunnel d'environ 4 km équipé à 100% de crémaillère. Je ne vous en dis pas plus, le reste est dans notre chronique découverte. Trajet Luzern, Stans, Engelberg que j'ai pu effectuer avec Étienne Bergeon. Découverte, bonjour. Aujourd'hui, bonheur, enfin en Suisse allemande, enfin bien accueilli. Bon, je rigole bien sûr. Mais en vrai, un peu de fierté quand même de vous parler d'une si belle région suisse-alémanique.
Et devinez ce que l'on va faire, on va la parcourir. Mais elle n'est pas trop longue. Mais ravissante, vous verrez. Commençons notre périple. Nous sommes confortablement installés dans une des voitures ne circulant que sur la ligne que nous empruntons ici, en gare de Lucerne. Et nous voilà déjà partis, splendide vue sur les nombreuses voies métriques intelligemment mélangées avec la voie normale. Sachez que nous sommes à bord d'un interrégio, nous allons donc totalement normalement traverser de nombreuses gares sans s'y arrêter. Nous ne sommes pas un régional, voyons. Bon, pour le moment, c'est très tunnel, hein, mais on va rapidement se retrouver presque dans l'eau, à peu près jusqu'à Stanstad, où se trouve un beau dépôt. Mais avant d'y passer, les arrêts que nous avons et allons traverser encore sont Luzern, Almendmesse, Kriens-Mattenhof, Horv, Hergiswil-Matt, Hergiswil et enfin Stanstad. Maintenant, on entre gentiment dans des vallées, bien gentiment, mais les paysages sont incroyables, croyez-moi. Nous arrivons à notre premier arrêt qui est Stans. C'est le chef-lieu du canton de Nidwald. Assez tranquille, très sympathique encore une fois. Il y a le mythique Cabrio, téléphérique à deux étages et dont le deuxième est dédié à la décoiffe. Mais, comment est-ce que je peux décrire un lieu où il y a de si belles choses? Même le dépliant, hein, pour vous dire, de la Zentralbahn dit que ce sont de wunderschönes paysages. Ah, c'est beau des fois d'avoir la grosse tête, hein, quand on le peut. Et sans oublier que de belles correspondances sont possibles avec des bus qui offrent de belles perspectives. Neusterhalt, Dahlenwil. D'ailleurs, ne vous étonnez pas du tout, c'est normal qu'il y ait quasiment à chaque arrêt une remontée mécanique s'élevant de la vallée. Enfin, montant sur les montagnes, si vous préférez. Et comme on dit dans le nord vaudois, prochain arrêt sur demande, Niederrickenbachstation. Et oui, comme on dit dans le nord vaudois. Et depuis là, à l'aide d'un téléphérique menant à Wirtzwelli, soit à 1220 mètres d'altitude, on peut amuser les enfants, mais pas que, notamment grâce à cette luge. Allez, revenons, notre train est déjà parti. Et il s'arrête déjà à Wolfenschiessen. Et depuis ici, on peut prendre un bus qui monte jusqu'à Oberrickenbach, depuis là-bas un téléphérique, et depuis l'arrivée, on peut marcher et marcher pour arriver où le téléphérique partant d'Engelberg va, c'est donc à Ristis. Allez, notre train roule sur ses roues et nous atteignons Grafenort, de maison charmante. Un petit paradis, je dirais. Lorsque les champs ne sont pas verts, ils se métamorphosent en blanc, pour donner une lumière d'antan sur les montagnes alentour. Bon, cessons les verres, nous voici en train. Et surtout en train d'entrer dans l'entrée du tunnel de 4 km à crémaillère, à 40 km/h en montée et à 23 en descente. J'adore le bruit. On dirait qu'on fait un accident, mais non. Et c'est incroyable. La différence, nous voici bien plus haut ailleurs, quoi. Et aussitôt, en s'émerveillant encore une fois, on arrive à Engelberg, dans le canton d'Obwald, station terminus de la ligne. Ici, c'est saut à ski, télécabine, téléphérique, forfait de ski à prix d'or, hôtel à prix... Oui, mais on sent que c'est beau, que c'est fait pour être beau. Et puis, depuis ici, comme on a l'habitude de l'originalité dans cette région, on peut aller jusqu'au Titlis, avec également un téléphérique tournant. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Et regardez ça, même pas besoin de faire de la poésie. C'est, on dirait un conte, ces humains qui glissent sur la neige. Quel bonheur. Voilà, et si vous passez par Lucerne et que le temps vous manque pour aller à Engelberg, sachez qu'il y a énormément de coins splendides dans la région, rien qu'à Lucerne même, ville magnifique, bord du lac splendide, musée des transports ou le pont pour les habitués de l'air libre. Bon, de toute façon, il y a des milliers de choses à découvrir. Allez, la découverte et son chapeau vous disent à bientôt. Raiwan est présent sur Twitter, Facebook et Instagram en plus de notre chaîne YouTube. Toutes les annonces importantes, les backstage ou simplement l'actualité de l'émission sont diffusées sur ces plateformes. Désormais, vous connaissez la ligne, mais pour que les trains l'arpentent sans aucun problème, il faut un endroit où on peut les entretenir, c'est le dépôt de Stanstad.
Il vous est présenté par Tim Chanet et Mathis Courte. Attention, ça décoiffe. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue chez Zentralbahn. Nous nous trouvons ici à Stanstad et souhaitons aujourd'hui vous présenter un peu plus en détail les ateliers de Stanstad. Nous nous trouvons ici devant le bâtiment nouvellement construit à Stanstad. Nous l'avons ouvert en 2019, un investissement d'environ 10 millions de francs. Dans ce bâtiment, nous faisons principalement de la maintenance opérationnelle. C'est de la maintenance où l'on effectue des contrôles sur les véhicules, les bogies, les composants mécaniques et électriques. Nous allons maintenant entrer dans le hall et voir de plus près quelques sujets intéressants. Ici, dans l'atelier de Stanstad, environ 25 collaborateurs travaillent. L'ensemble de la maintenance compte environ 70 collaborateurs, dont des apprentis automaticiens et polymécaniciens. Notre deuxième site n'est pas ici à Stanstad, mais à Meiringen. C'est là que nous effectuons la remise à neuf des composants, ou comme nous disons, le gros entretien. Mais aujourd'hui, nous nous occupons de la maintenance opérationnelle ici à Stanstad. Nous sommes maintenant au milieu de l'atelier. Nous avons deux voies de fosse de 80 mètres chacune. C'est le cœur de cet atelier. Ici, nous effectuons quotidiennement les travaux de maintenance sur tous nos véhicules, d'une part sur les rames automotrices, comme par exemple le Spatz, et d'autre part sur les composants tractés par des locomotives. Nous sommes ici devant l'installation d'abaissement des bogies. C'est un bon exemple pour expliquer la stratégie d'investissement de ce nouvel atelier. Aujourd'hui, nous pratiquons une maintenance modulaire sur tous les véhicules. Nous décomposons le train en différents composants et connaissons les délais et durées de vie de ces composants. Il faut comprendre cela comme un grand puzzle que j'assemble en une année. Chaque composant est entretenu que lorsque c'est vraiment nécessaire. C'est exactement ce que nous faisons avec les bogies. Un bogie est la partie motrice d'une rame. Il comprend les essieux, les roues, le moteur électrique et la transmission. Pour nos rames automotrices à trois éléments, nous avons quatre bogies chacun. De plus, la halle a été conçue de manière à ce que la maintenance modulaire puisse être maîtrisée de manière idéale. Les distances entre les voies sont plus grandes, ce qui garantit une meilleure accessibilité, ce qui n'était pas le cas dans notre ancien atelier. Un système de caténaire entièrement automatique est installé dans notre atelier. La mise hors tension et la mise à la terre se font électroniquement. On voit ici le fil de contact fixe qui est fixé à un long bras. L'ensemble de la caténaire peut ainsi être basculé. Il existe un système de verrouillage complet pour garantir qu'aucun collaborateur ne puisse se trouver sur la plateforme de travail en hauteur lorsque la caténaire est enclenchée. De plus, l'état de la caténaire est indiqué par une barre lumineuse à LED, en service orange clignotant, hors service et à la terre, vert. Ceci est important pour que les personnes externes comme les pompiers puissent voir l'état de la ligne de contact en cas d'incendie. Nous nous trouvons maintenant sur la plateforme de travail élevée. Actuellement, la caténaire est repliée. Dès qu'un collaborateur monte sur le toit, la ligne de contact est déviée. Le collaborateur s'accroche à la sécurité anti-chute et peut alors se déplacer librement sur le toit. Sur nos rames, une grande partie de la technique est installée sur le toit.
comme par exemple les climatisateurs pour l'espace passager. Aujourd'hui, il est très important que le temps d'immobilisation d'un véhicule soit le plus court possible. Lorsque le véhicule est à l'arrêt, les collaborateurs et le matériel doivent être planifiés. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons stocké des matériaux importants directement dans l'atelier. Les collaborateurs de l'atelier reçoivent les commandes sous forme numérique. D'une part, ils peuvent consulter les commandes sur leur tablette personnelle ou sur des grands écrans tactiles situés à tous les endroits pertinents de l'atelier. Seules les commandes attribuées et arrivées à l'échéance sont affichées. Il est également possible d'ouvrir la description du travail et les pages de contrôle directement depuis la même interface. Les commandes sont directement débitées sur la tablette. Nous avons aussi mis à disposition de nos collaborateurs un ensemble complet d'informations numériques. Nous voyons ici par exemple une instruction de travail pour tous les véhicules de type Fink. On peut naviguer directement dans le menu et s'y retrouver facilement. En plus des informations concernant le travail quotidien, nous avons installé un flux latéral sur les écrans d'information, où sont affichés les derniers sujets de la direction ou d'autres domaines. Chaque collaborateur a également installé la même app sur son smartphone. Les agents de train et les conducteurs de locomotives peuvent également saisir directement les annonces de véhicules via cette app. Via une interface, les messages arrivent dans notre système de maintenance où ils sont classés par ordre de priorité et préparés de manière à pouvoir être traités directement dans l'atelier. En cas de réponse, l'auteur reçoit également un feedback. Dans le groupe de travail, le port de bonnet de protection est obligatoire. Nous allons maintenant les chercher directement dans la tour de stockage. Nous nous trouvons directement sous le véhicule. La fosse de travail est plus profonde, avec 1,70 m de profondeur entre le rail et le sol. Cela nous permet de travailler de manière plus ergonomique. Voici la roue dentée d'un bogie moteur d'une locomotive HGE 44. Nous voyons l'essieu avec les systèmes de frein, les roues avec le boudin du côté intérieur de la voie. Chaque véhicule passe tous les 30 jours à l'atelier. Dans un créneau horaire de 8 à 12 heures, nous regrouperons l'entretien préventif, les réparations et les changements de composants à effectuer en un paquet de travail. Dans le cadre du même projet que le hall, l'ensemble des voies a été rénové. La caténaire, les fondations des voies, les rails et les aiguillages ont tous été refaits. Nous voyons ici notre accès direct à la gare et aux voies de service. C'est par ces voies que les véhicules nous sont amenés la veille ou la nuit à l'atelier. Nous sommes ici à l'intérieur du véhicule Spatz et regardons en direction de la cabine de conduite. Nous voyons ici un employé qui est en train de réparer le système de sécurité des trains.
Aujourd'hui, il ne faut pas seulement des outils traditionnels comme un tournevis. Dans la plupart des cas de panne, nous connectons un ordinateur portable de diagnostic par l'interface du véhicule. Le logiciel analyse la panne, ainsi la pièce défectueuse peut être localisée plus efficacement et remplacée par un collaborateur. Afin d'améliorer en permanence la fiabilité de notre flotte, nous avons équipé deux véhicules chacun d'un projet prototype de diagnostic à distance et de maintenance prédictive. L'un d'entre eux est équipé d'un système de diagnostic des portes, où chaque porte est surveillée séparément et où des ordres de contrôle sont automatiquement créés dans le système, lorsqu'une porte ne présente que de légers problèmes avant qu'il n'y ait une panne. L'autre prototype est un outil de diagnostic à distance, où les données importantes produites par le véhicule sont disponibles en temps réel pour le back-office via le cloud. Ce n'était qu'un bref aperçu de la maintenance du Zentralbad, ici dans l'atelier de Stanstadt. J'espère que cela vous aura plu. Nous continuons maintenant à travailler sur la fiabilité de nos véhicules. Je vous remercie de votre intérêt et de votre temps. Je serai très heureux de vous voir bientôt sur nos lignes du Zentralbad. Merci beaucoup. C'est ici à Lucerne que l'émission se termine. La prochaine fois, nous serons de retour en Suisse romande et plus précisément dans le canton de Fribourg. Oui, go back to les origines de l'émission, nous pourrions dire. Nous retournons en gare de Bulle pour voir où en sont les travaux, ainsi que pour découvrir la future ligne directe, autrement dit sans changement, Montbovon-Palaisieux. Rendez-vous samedi 27 janvier 2022. À bientôt, merci pour votre fidélité et puis encore une fois, bonne année. Belle soirée. Bonne soirée. Ciao.